Bonjour à toutes, je vous retrouve ce vendredi pour une vidéo panique nail art, donc une manucure entièrement réalisée de points à l'aide de cure-dents ou de petits pics. Sur l'annulaire, je vais réaliser une French manucure inversée, c'est-à-dire que je vais poser donc mon vernis beige de base, j'applique un œillet et je vais appliquer le vernis bordeaux en deux couches. Et donc ça s'appelle la manucure inversée, on laisse en fait l'alunule de libre, soit avec un vernis couleur en dessous, soit sans rien. Donc j'applique mes deux couches, je retire le sticker, ensuite éventuellement je retrace la courbure avec un dotting tool et je peux gratter le vernis qui a coulé en dessous avec un pic en bois. Ensuite j'ai choisi toutes ces couleurs de vernis, donc des couleurs assorties. Et j'ai pris plusieurs dotting tools, pics en fer de plusieurs tailles, vous pouvez bien sûr prendre des cure-dents ou plusieurs outils pointus. Et je vais donc faire plein de points sur la lunule des autres ongles. Donc je vais réaliser des gros points beige, des moyens roses et corail, des tout petits blancs. Si vous avez raté, vous pouvez remettre du bordeaux par-dessus et refaire le point. Donc là j'ai remis des points bordeaux à l'intérieur des petits points. Pour accentuer un petit peu le détail et que ça brille, je vais rajouter des petits sequins. Donc vous pouvez prendre des petites paillettes comme ça argentées ou de n'importe quelle couleur. Je les colle avec un petit peu de top coat. Et ensuite je nettoie bien sûr le contour de l'ongle avec de l'acétone. Ensuite donc sur l'annulaire je vais réaliser pareil, plein de points en dessous de la lunule. Donc il faut vous amuser à varier les tailles de points en changeant d'outil en fait, de ne pas prendre tout le temps le même dotting tool, de prendre des fois un petit, un grand, un moyen, et de rajouter tout à la fin avec un tout petit pic en fer, une aiguille par exemple, de rajouter vraiment des mini points partout, il faut que l'ensemble soit très serré, sinon vous n'aurez aucun rendu, ça sera vraiment très moche. Et ensuite pareil, j'ajoute des petites paillettes pour faire des touches d'éclat. Et des tout petits points avec mon aiguille. Ensuite je vous conseille d'utiliser un top coat très épais comme le pocher par exemple pour éviter de faire baver les points. Si vous utilisez un top coat liquide, vraiment faites très attention, il faut repasser que une ou deux fois sur le motif, sinon c'est la catastrophe, surtout sur du bordeaux. Voilà, j'espère que ce panique nail art vous a plu et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir. À bientôt.